Bonjour à tous et bienvenue. Vous êtes toujours en train de suivre le Trafic Business Summit. Là, nous allons commencer le forum Global Digital Music and Entertainment. C'est moi, Oumire Génachambou, qui va modérer la plupart des panels qui auront lieu dans ce forum. Ce forum qu'on va démarrer tout de suite avec une discussion avec Franck Alsit-Kakou, qui est directeur du Universal Music Africa, qui est basé en Côte d'Ivoire. Le temps que Franck nous rejoigne, j'ai Oumire Génachambou, journaliste culturel basé à Dakar, qui va interviewer et échanger pendant 10 minutes avec Franck Alsit-Kakou, qui est lui à Abidjan. Franck, bonsoir. Bonsoir, bonsoir Oumire, comment tu vas? Ça va, on est là. Et toi, cette fin de journée? Ça va, fin de journée, mais bon, ça fait plaisir d'être avec vous. Plaisir partagé. Alors Franck, nous allons parler d'investir dans la musique et le divertissement africain. Alors tout à l'heure, dans notre discussion offline, on avait juste commencé à parler de la remarque qu'on m'a fait tout à l'heure, si on peut parler de musique et divertissement africain et les mettre comme ça dans le même paquet, est-ce que ce n'est pas deux aspects qui sont totalement différents? Ben écoute, on pourrait dire que c'est des aspects qui, par définition, sont un petit peu différents, mais aujourd'hui, étant donné la globalité business du divertissement qui inclut de la musique, nous, chez Universal Music Africa, on a vraiment une réflexion à 360. Et je pense que les producteurs aujourd'hui, qu'ils soient majors ou indépendants, en tout cas dans la musique, ont intérêt à aborder le business et l'industrie de la musique comme un global, totalement partie intégrante du divertissement dans sa globalité. Moi, en tout cas, dans la stratégie globale de la maison, je pousse à la diversification et à la réflexion autour du divertissement dans sa globalité. Donc, on n'est pas seulement sur de la musique et nos artistes, nos talents ne se cantonnent pas à créer du son. Ils se projettent aujourd'hui, les artistes sont, je pense, plus éveillés et se projettent jusqu'à la totale consommation de leur art, qu'il soit visuel, donc audio, et parfois on va jusqu'à l'interprétation scénique, ça peut être aussi de la comédie, du film. Donc on est vraiment dans quelque chose qui est très très global. Et tout à l'heure, j'ai lu dans une de vos interviews où vous disiez que le marché de la musique, surtout dans la plupart de nos pays africains, c'est l'exploitation de live, spectacle et booking. Aujourd'hui, à cause de la COVID-19, il n'y a absolument rien à faire. Est-ce que, par exemple, une initiative comme celle que vous avez mise en place au sein d'une Universal, qu'il s'agit de la stratégie, les formules que vous avez mises en place, est-ce que vous pensez que c'est capable de solutionner les problèmes auxquels sont confrontés les acteurs de la musique en ce moment dans nos pays? Écoute, j'aurais tendance à te dire qu'on a essayé de profiter de cette période compliquée pour tout le monde pour se réinventer. Donc, on est arrivé avec un ensemble de nouvelles solutions, de propositions qui nous ont obligés à penser en dehors de la boîte, out the box. Donc, on est arrivé vraiment avec des nouveaux concepts qui ont dû répondre à la contrainte actuelle, qui est la contrainte de l'expérience live qu'on ne peut pas vivre. Donc, on est parti, on s'est axé sur le digital. On s'est axé sur le digital et on a tenté de renforcer notre rapport aux marques, aux entreprises qui, malgré l'absence du live, ont besoin de communiquer, comme les artistes ont besoin de continuer de créer. Donc, à partir du moment où on a des besoins et des nécessités qui sont intrinsèques, comment est-ce qu'on fait rencontrer ces nouvelles nécessités sur un nouveau terrain? Et c'est ce terrain-là qui, pour moi, est le fruit
de la réflexion de pas seulement musique, mais divertissement dans sa globalité. Et pour ça, il faut axer la réflexion vers la diversification. Et ces solutions, qui sont des solutions principalement digitales, solutions de communication et de consommation via le digital, je pense, sont la racine de ce qui va germer demain. Mais ces solutions digitales est-elle accessible et est-ce que c'est possible de la démocratiser au moment où nous sommes là en Afrique ou quand même on a beau dire même si le taux de pénétration du mobile est très fort, mais il y a une forte population qui n'a pas encore accès totalement au digital. Bien sûr, bien sûr. Là aujourd'hui, en fait, le travail qui doit être fait doit passer et passe principalement par les marques. Il y a une sacrée responsabilité qui repose sur les opérateurs téléphoniques parce que le coût de la data est encore élevé. Donc, l'accessibilité à Internet, c'est pas quelque chose que le foyer moyen peut avoir facilement. Donc, la responsabilité se situe aussi là. Mais je pense que les talents, les artistes, les porte-paroles, les influenceurs ont une responsabilité eux aussi dans la manière d'orienter leur audience vers un mode de consommation qui est plus en rapport, plus en pertinence avec notre ère du moment. Aujourd'hui, le digital, comme beaucoup le disent, comme beaucoup le présentent, c'est une terre d'opportunités. Et à partir du moment où nos talents en auront complètement conscience et orienteront la majeure partie de leur audience vers ce mode de consommation-là, je pense qu'il devient inévitable pour ceux qui ont la data entre les mains de desserrer un petit peu les boulons et d'orienter ce mass market-là, le gros de leur cible, vers ce contenu que nos talents sont en train de produire. Aujourd'hui, Universal Music plutôt, en venant s'installer en Afrique, en Côte d'Ivoire, si on devait faire le bilan, est-ce un investissement rentable ou nous? Où? C'est un investissement sur ce qu'est l'Afrique aujourd'hui. Il faut savoir que je prends un marché mature comme la France. On a 65 à 70 millions d'habitants en France. En Afrique francophone, on en a près de 500 millions. Donc, on se retrouve sur un marché qui potentiellement représente entre 6 et 8 fois la France. Donc, si on n'investit pas aujourd'hui, nous, Africains, parce que ce qu'on développe, c'est une entreprise africaine avec son identité africaine assumée, si nous ne venons pas répondre ou proposer des solutions ou creuser dans les solutions localement, demain, ce sera peut-être trop tard. Et on regrettera de ne pas avoir justement investi ou accompagné l'investissement tant que le moment le permet. Donc aujourd'hui, le projet est dans sa troisième année d'existence, pour être tout à fait précis, 2 ans et demi. Le projet germe depuis 4-5 ans, mais ça ne fait que 2-3 ans qu'il est vraiment en construction. Et en 2-3 ans, il y a eu un bond incroyable, que ce soit auprès du travail avec les artistes, auprès de l'identité africaine de ce label, auprès du rapport qu'on a avec les partenaires, auprès du rapport qu'on a avec l'industrie locale, avec les acteurs, qu'ils soient journalistes, médias et autres. Et je suis content de pouvoir me projeter dans 5, 10, 15, 20 ans avec une industrie de la musique africaine qui sera mieux structurée encore que celle qu'on a trouvée quand le projet a été lancé. Merci beaucoup, Franck Alcide Gakou. Vous êtes le Managing Director de Universal Music Africa, qui est basé en Côte d'Ivoire. On est arrivé au terme de ces 10 minutes, et c'est passé très vite. Juste en 20 secondes, j'allais dire votre mot de la fin. Le mot de la fin, c'est... je pense que le confinement n'est pas la fin du divertissement. C'est ce qu'on a prôné pendant toute cette période-là et je suis content aujourd'hui de voir qu'on est sorti grandi de cette période difficile qui n'est pas terminée, mais qui nous a permis d'allumer certaines lumières qui vont nous servir demain. Voilà. Mmh.
Merci beaucoup, Franck Alcide Kakou. La suite du forum, c'est tout de suite avec The Future of Digital Music and Entertainment in Africa avec Jim Sadar, aka DJ Jumbo, qui sera le modérateur. Merci. Au revoir. Merci à vous. Au revoir. Nous sommes toujours en live.